Nouvelle vidéo sur la perte de poids. Qu'est-ce qu'on perd en premier? La réponse est tout de suite. Salut tout le monde, ici Sonny Niao. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'on perd en premier et en dernier lorsqu'on fait une perte de poids. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Vamos! Il faut savoir que les trois choses que vous perdez lorsque vous perdez du poids justement, c'est la graisse, évidemment, c'est ce qu'on cherche à perdre en premier. Il y a aussi la rétention d'eau, tout ce qui est eau dans le corps, et aussi les muscles. Et ça va dépendre de votre diète et de votre entraînement. La perte de poids et la qualité de cette perte de poids ne sera pas la même si vous faites du sport et si vous ne faites pas de sport. Vous allez perdre plus de choses parmi ces trois catégories. Il y aura plus une perte d'eau, de muscles que de gras. Et dans une autre catégorie de perte de poids, dans une autre manière de faire, vous allez plus perdre de gras et d'eau que de muscles. Donc, il faut faire attention à la qualité de la perte de poids. Parce que souvent, les gens disent, oui, j'ai perdu du poids. Ou dans les publicités, oui, il y a une perte de poids, etc. Mais qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as fait pour perdre du poids? Et qu'est-ce que tu as perdu? Donc, c'est ça qu'il faut se poser comme question pour savoir aussi si la perte de poids, elle est valable ou pas, si c'est une vraie perte de poids ou pas. Donc d'abord, vous avez tout ce qui est rétention d'eau qui est dû, voilà, au sodium, à l'excès de sodium et aussi au fait tout simplement de boire de l'eau, hein, c'est boire du liquide. Vous avez aussi tout ce qui est le glycogène musculaire qui retient l'eau, hein. On rappelle que 1 gramme de glycogène, donc tout ce qui est alimentation, donc par alimentation, on apporte aussi du glycogène, surtout si on fait du sport et de la musculation. Et 1 glycogène retient exactement 2,7 grammes d'eau. On va arrondir à 3 grammes. Vous avez aussi tout ce qui est, bien évidemment, les muscles, hein. Plus vous avez de muscles et plus vous avez un bon métabolisme et plus vous avez de chances de perdre du poids vite. Et enfin, ce qu'on cherche à perdre en priorité, c'est le gras. D'accord? Donc le gras qui, à la base, est fait pour la survie, mais si on a trop de gras, on risque d'être en surpoids ou en obésité. En général, lorsqu'on démarre une perte de poids, elle est assez rapide et ensuite elle se stabilise pour être de moins en moins rapide. Ça fait comme une hyperbole, une coupe d'hyperbole. Donc ça fait une courbe où ça démarre vite la perte de poids et ensuite ça va de moins en moins vite avec le temps. Et ce qu'on perd en premier, c'est la rétention d'eau. En fonction de là où vous partez, vous allez perdre vite, mais ce sera d'abord quasiment que de l'eau. Il y aura un tout petit peu de gras aussi. Et si vous faites les choses correctement, pas trop de perte de muscle. On va prendre le premier cas avec une personne qui ne fait pas de sport et qui fait juste un régime vraiment très hypocalorique. Alors cette personne-là, au début, ok, elle va perdre du poids, elle va réussir sa perte de poids. Admettons qu'elle réussisse sa perte de poids, par exemple 10 kilos à perdre, elle a 10 kilos et elle fait un régime assez hypocalorique, voilà, sur une durée de, on va dire, un mois. On va dire qu'elle perd 10 kilos en un mois. Bravo, super, ok. Sauf que, je vous le dis, la personne aura perdu principalement de l'eau en premier, en deuxième, du muscle, puisqu'elle ne fait pas de renforcement musculaire. Et en troisième, elle aura perdu un peu de gras. Après, je ne vais pas estimer comme ça les pourcentages de perte d'eau, de gras et de muscle. Mais vous savez bien qu'en majorité, quand on ne fait pas de renforcement musculaire, on perd d'abord de l'eau en premier. Mais on perd majoritairement du muscle. Et ensuite, on perd voilà, un peu de gras, pas mal de gras. Mais je dirais en proportion que vous perdez beaucoup de muscles, pas mal d'eau et peu de gras. Admettons que maintenant vous faites du sport du type au poids de corps, du cardio, du HIIT, vous faites du sport quand même, vous utilisez vos muscles. Là, vous allez faire toujours en premier, vous allez perdre de l'eau, ensuite vous allez quand même perdre du muscle, mais beaucoup moins que le cas précédent. Et ensuite, il y aura une belle perte de gras malgré tout. Il y aura une belle perte de gras. Donc en premier, vous allez perdre majoritairement du gras quand même. Vous allez perdre majoritairement du gras. Vous allez perdre pas mal de muscles parce qu'il n'y a pas de surcharge progressive. Vous faites qu'au poids de corps.
vous faites que du cardio, et enfin vous allez perdre après bah, voilà de l'eau en troisième en niveau de la proportion. Après ça dépend de quel type de cardio. Si vous faites que du cardio type running ou type que du cardio sans utiliser vos muscles, juste en faisant du cardio à basse intensité, vous allez être comme dans le cas numéro 1, sauf que ça va être la perte de muscle va être plus rapide. Même si vous allez perdre de la graisse beaucoup plus vite, vous allez perdre du poids plus vite certes avec le sport, mais si vous faites que courir ou que du cardio à basse intensité, vous n'allez pas perdre majoritairement du gras. Ça va être pareil. Mais par contre, si vous faites du HIIT avec des exercices au poids de corps, mais du renforcement musculaire au poids de corps, là, vous allez perdre moins de muscle. Vous allez plus tonifier votre corps. Enfin, quand on dit tonifier, c'est vous allez utiliser vos muscles, vous allez quand même les dessiner. Vous allez dessiner votre silhouette. Mais vous allez quand même perdre du muscle dû au manque de surcharge progressive. Et passons au cas numéro 3. Où là, vous faites du renforcement musculaire avec de la surcharge progressive, avec des charges ou même avec une résistance comme des élastiques, et vous combinez ça avec un régime hypocalorique. En tout cas, un régime hypocalorique, quand on dit régime, voilà, c'est une sorte de rééquilibrage alimentaire avec un déficit calorique. En premier, toujours, vous allez perdre de l'eau. En premier. Ensuite, en deuxième, vous allez perdre du gras. Et en troisième, il y aura au bout d'un moment, une perte de muscle, même si elle sera, en fonction des personnes, assez légère. Parce que lorsqu'on est dans une perte de poids et qu'on est en déficit calorique, on arrivera à conserver sa masse musculaire, mais à un moment, lorsque vous allez aller loin dans votre régime de perte de poids, à un moment, vous allez quand même perdre du muscle et perdre de la force, à la limite. Surtout si vous êtes en fin de régime et qu'il faudra descendre un peu plus en kilocalories, vous aurez moins d'énergie pour faire tout ce qui est tâche et le corps va tout faire pour s'économiser. Et limite, il va sacrifier quand même un peu de muscle, surtout en déficit calorique. Donc voilà, pour maintenir sa masse musculaire au régime, à moins de prendre des produits dopants, et voilà, c'est quasiment impossible. Donc je dirais qu'il faudra en proportion, donc en proportion vous allez perdre plus de gras si vous faites cette méthode-là, donc si vous combinez renforcement musculaire avec surcharge progressive, même si le but sera de conserver ses charges ou d'avoir de conserver sa résistance à l'entraînement vu que les salles sont fermées. Ensuite vous allez perdre de l'eau en deuxième proportion. Et en troisième, ce sera plutôt une perte de muscle. Donc voilà la proportion. Et évidemment, cette répartition est la meilleure. Donc de faire du sport avec de la résistance, avec de la charge, évidemment. Pour solliciter vos muscles et garder un maximum de masse musculaire. Ensuite, c'est là que vous allez perdre majoritairement du gras. Et bien sûr, en premier, vous perdez toujours de l'eau, quels que soient les cas, et même dans ce cas-là. Mais la perte d'eau, c'est en proportion la deuxième chose la plus importante que vous perdez lorsque vous perdez du poids sur cette méthode. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi aussi à mon Insta, c'est soninho-7 et à mon TikTok, soninho7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soninho pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao. When I'm in the city, it's litty, design business is no kitty. It was all a dream, like bigger reality. Hit me, I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50, many men hate on me. I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name, and after the game, we making sure that we